Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le lac de Gironde pour un petit coup du soir. J'ai pris juste une seule canne. Il est 6h, je vais partir sur le coup de 8h, donc c'est 2 heures de pêche. Là il fait assez chaud, je vais pêcher sur le haut fond de la piscine. Avec toujours les billes sauts cartes, les chocs oranges. Juste une petite bille sur mon mèche, pour mon mèche, et puis 5 petites billes autour. J'ai déjà vu un poisson sur la zone. Ici c'est un poste que je connais très bien. C'est un poste qui est très réactif, c'est-à-dire que je vais rester à côté de ma canne. Ça peut partir dans les 5 minutes, ça peut même partir, j'ai même pas le temps de régler mon détecteur. C'est souvent arrivé. Donc là, ça fait 10 minutes que ça pêche. Et voilà, je vous tiens au courant. Je viens aux nouvelles, alors une demi-heure après la dépose de ma canne, je viens de sortir un poisson de 7-8 kilos. Avec un beau combat, j'ai failli la perdre au début. Elle s'était prise dans une pierre, enfin. Le fil était coincé dans une pierre, donc elle restait à côté de la pierre, elle était bloquée. J'étais obligé de la débloquer donc au-dessus d'elle. Donc tout à l'autre bout, et après je suis revenu avec la canne et puis le poisson. C'est bien combattu à l'épuisette. Beau poisson longiligne avec les lèvres super propres, bien piqué encore une fois avec mon montage Globa Krieg en numéro 6 avec l'hameçon SB4 de chez Starbase. Encore une fois pas ouvert, donc je rencontre pas les problèmes que j'avais eu avec les cordas. Je crois que je vais rester sur ça. J'ai déjà sorti une dizaine de poissons depuis que j'ai acheté le paquet. Ils ont pas l'air de bouger, impeccable, je suis content, ça pique bien. Fort de fer et voilà. Maintenant il me reste encore une petite heure et demie de pêche. La canne repêche exactement au même endroit. Ici on n'a pas le droit d'amorcer, par contre il tolère qu'on mette quelques bouillettes autour du montage, ce qui fait que quand je relance assez régulièrement ou que je repose ma canne au même endroit après un départ, ça fait quand même une petite base d'amorçage à chaque fois. Là voilà, je vous tiens au courant de ce qui va passer dans la fin de soirée. Mais j'espère au moins toucher un autre poisson. Et puis après j'irai sûrement faire un petit tour au brochet vu qu'il y a eu l'ouverture la semaine dernière. J'en ai touché déjà deux ce matin sur un autre lac. Ils ont l'air d'être en activité. Donc je vais voir. Je vous tiens au courant. Allez, salut!